Bonjour papa. Bonjour. C'est le chef. Oui. Bon, je pense que chez les Abrons on dit Nana, chez les Koulango on dit Tabolo et chez vous les Nafana on dit. On est Tolé. Tolé. Oui. D'où venez-vous? On vient de Cinématiali. Cinématiali. Oui, Cinématiali. Mais actuellement, de Cinématiali, vous êtes posé où? De Cinématiali, on a transité par Bouna avant d'arriver ici. Ils ont transité par Cinématiali. Ils ont une base, si on peut l'appeler comme ça, la capitale, c'est Tambi. C'est de là, tout le monde est maintenant, c'est cherché pour aller créer son village. Même les Sinefo qui sont allés au Ghana sont partis du Tamil. Justement, Samporo, qu'est-ce que ça veut dire? Samporo, ça veut dire sans se porte mieux. Sans, c'est un nom. Vous voyez, c'est le dixième, c'est ça? Si je ne me trompe pas bien. Ça veut dire que sans se porte bien. Vous savez, c'est son grand frère qui a créé là-bas. Tambi? Oui, donc pour avoir les nouvelles de son frère qui est ici. Je demande aux passants ou bien à ceux qui le voient comment se porte mon frère sans. Il dit sans se porte bien. Donc sa langue, sans pour eux, sans se porte bien. Oui. Merci beaucoup. Oui. Voilà, merci, donc c'est fini. Ah d'accord, ça va maman? Ça va un peu? Un peu. D'accord, bon on est venu pour vous saluer aujourd'hui. Bon. Comme aujourd'hui il y a ballon ici. Ouais. Voilà, donc on va profiter pour vous saluer. Ça va un peu maman? Ouais, ça va. Très bien, il n'y a pas de problème. Merci. Ok. Encore prêt? Oh. Hein? Non, attends. Ça là, tu as le vent combien? Tout ça là? Bon, il n'y a pas la vente. Tu ne vends pas aussi? Ouais. Après, il est venu payer aussi? Yeah. Il n'y a pas? Non, il n'y en a même pas. Hmm. Ça t'a payé ça ou bien c'est quitté au champ? C'est quitté au champ. Ah, c'est bien ça. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Le problème là, c'est quel problème? C'est le problème de l'eau. L'eau? Oui. Hmm? Problème de l'eau là. Uh-huh. C'est trop dur. Vous partez de l'eau? On ne prend pas de l'eau. Oh. On est trop beaucoup. Pour l'eau? Mais deux pompes, ça ne nous suffit pas. Uh-huh. Merci beaucoup. Ton nom c'est? Non, de qui? Ton nom? Moi. Yao Fatima. Ah, merci beaucoup. Chez toi, qu'est-ce que tu veux que le chef n'a qu'à faire? Ce que je demande. Ouais. Que il sait que ici, là, ouais. Nous, on a beaucoup de problèmes d'eau. De l'eau? L'eau, là. Mmh. On a besoin de ça. Qu'il nous faut au moins un château. Un château. Un château comme ça. Uh-huh. Au moins, ça pourrait nous aider ça, beaucoup. Oui, ça pourrait. Sinon, c'est pas bon. Merci beaucoup. Thank you.
c'est sans poro. Ici, c'est sans poro. Ici, c'est sans poro. Allez, Paris. Oh, Paris. T'as 12 millions? Ouais, j'ai 12 millions. Oui. Prenons le bac à vite. Hey, Ben. Allez, d'abord. Hein? Allez, d'abord. D'accord. Wari, Ben, Amine. Potem de l'air. Non. Ouais, ça va, deux. Voilà, vous vous présentez. Oui. Votre nom? Abid. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Alors, on a la chance d'avoir. Oui, voilà. Oui, monsieur Kraïsouf, oui. Fils du village. Ok, ah, pas problème. Oui, papa. Monsieur Ouattara Salio, oui. Présentant les parrains de monsieur Ya. Il n'y a pas de problème. Tonton. Oui. Oui. C'est monsieur Papou Dabou. Oui. Nous sommes
te rapprocher, mon cher. Ok, merci beaucoup. Ça va un peu? Dieu merci. Bon, ici c'est Samporo, non? Dieu merci. Il y a quel événement ici aujourd'hui? Bon, il y a Savadin qui vient fêter. Oui. Voilà, donc on a organisé des tournois qui concernent 8 villages. Non, cela doit se dérouler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le match d'ouverture. Oui. Donc, il y a des cérémonies qu'on doit. Qui doit se passer d'abord. Oui. Voilà, donc nous sommes en train de commencer pour voir comment on fait pour bien accueillir. Merci beaucoup. Ah, toi, c'est la taille qui est là. Hein? Ah bon. Voilà, il faut bien soulever. Il faut attirer. Voilà. Voilà. Hé, tu as fait ça. Ah bon. Dis qui voit ça. Ok, c'est bien. Monsieur, bonjour. Ça va un peu? Votre nom c'est? Mohamed. Mohamed. D'accord. On dit tu es le spécialiste de taille là. Ah d'accord. Donc merci beaucoup. Ok, merci. Voilà. Chérie, ça va? Ton nom c'est quoi? Tu as quoi ici aujourd'hui? C'est un qui est là. Ton nom c'est? Mais aujourd'hui, il y a quoi à Samporo ici? Il y a football. Ah, donc vous allez après à ça quelle heure là? 10 à 14. 15h. Donc vous êtes tous partis au terrain? Oui. Alors, merci beaucoup. Comment tu as une demi? C'est trop cher ça. C'est trop cher. Ouais. Donc quand c'est toi là, faut prendre. Ici, nous voyons l'arrivée du chef de Samporo, Sa Majesté, qui se déplace avec un tambour. Lâchez l'Afrique malgré votre lieu de résidence qui est en France. Oui, nous sommes contents et nous allons honorer Mohamed qui est également de là à telle émotion. Partagez cette joie. Nous sommes très heureux de savoir que l'Afrique peut compter sur ses enfants. Nous sommes heureux de savoir que M. Yamichel est content de se retrouver à Samporo. Oui, la parole est libérée, la parole sauve, la parole soulage, la parole libère et la parole guide. C'est pourquoi nous sommes très contents de vous recevoir.
avec bien sûr les maillots du PSG. Paris, nous sommes africains, nous sommes européens, mais nous demeurons africains. Nous sommes africains, nous vivons en Europe, mais nous demeurons africains. Mesdames et messieurs, c'est tout simplement excellent. Mesdames et messieurs, c'est tout simplement beau. Oui. Voilà, quelle joie pour ce petit fils d'Afrique de retrouver la sienne. Quelle joie pour ce grand monsieur dans l'esprit de la chose. On va appeler très rapidement monsieur Alassane. Monsieur Alassane, où il est? Alassane est fier de la tradition, qui parle des peuples de la tradition, parle de la libération. Monsieur le parrain, on nous l'a amené dans la tradition, nous allons directement franchir le pas de la libération. Merci. Passer à la libation du représentant du chef. Celui-là même qui a donc décidé d'organiser la fête footballistique dans le village de Samporo. Lui que vous connaissez très bien, le monsieur Yann Kwadio Michel, à vous la parole. Merci, carré. À toutes les autorités qui sont présentes sur le stade municipal de Samporo, je vous remercie au fond du cœur. Je remercie toutes les belles femmes qui sont là, tous les enfants, tous les jeunes, tous les habitants de Samporo, tous les habitants de la sous-préfecture de Samporo Tagadi. Je vous remercie au fond du cœur et que Dieu soit avec nous et que ce projet soit le projet des projets. Par toutes et par tous. J'ai
juste une nouvelle annoncée à tous les habitants de la sous-préfecture de Soromango-Tagadi. Cette année, il n'y aura pas de tirage au sort. En hommage à mes deux grands-papas de Soromango, à mon grand-père Maman Thierry, Maman Ouattara, et à mon grand-père Adama Ouattara, l'édition, la 4e édition 2019 aura lieu et belle et lieu à Soromango, Tagadi. Et que le meilleur gagne, et que je suis avec vous, et que le bon Dieu nous donne ce bonheur, que nous sommes à la recherche. Je vous remercie. Remerciement sincère au grand chef, des chefs de Soromango, Sa Majesté. Je vais plaire. Merci beaucoup. Merci pour la clarté de ce discours, pour l'appel à lancer. Merci. Monsieur le parrain, nous allons directement procéder. Fouillot. Abdama Ouattara. Ici. Et tiens, mais un. Les géomiens. Et tiens, mais un. Ah oui. Yann Hubert. Lasco. Amber. Allez, le temps. Photo avec Chers frères et sœurs, chers membres de la délégation du député Mohamed Ouattara, monsieur le représentant de monsieur le sous-préfet empêché, j'aimerais à la suite de ce que vient de dire le parrain prendre la parole. En fait, certes, pour la paix, mais je tiens surtout à remercier l'initiateur de ce projet qui dure maintenant 6 ans et j'aimerais que vous l'acclamiez. Ce n'était pas facile. Il a cru en son projet, il a eu des gens pour le prêter et aujourd'hui nous en sommes à la 3e édition. Lorsque j'entends dire que l'année prochaine ou dans 2 ans, contrairement au tirage au sort qui devrait se passer, mais en mémoire de ses parents qui sont dans l'au-delà aujourd'hui, la fête sera organisée à Soromango. Je ne peux que lui dire merci pour cette reconnaissance-là. Merci beaucoup, chers frères, chers neveux Michel. Et comme je te l'ai dit, nous sommes en fait tentés de dire que nous sommes contraints de t'appuyer, de te prier. Nous étions ici, étant ici, en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la circonscription, nous voulons être les plus heureux de ce projet qui est devenu maintenant partie depuis 3 ans pour que nous puissions faire émerger la circonscription et nous pouvons compter sur nous. Je ne veux pas être plus long. Je suis venu avec une délégation, c'est vrai. Mon oncle Issouf qui est là, mes frères de Pélodi, ou bien Issouf. C'est Pélodi qui est là, parce que c'est tout à fait rentré, qui est représenté. Le grand frère Soumaïla de Kangélé, qui est aussi là. Donc vous voyez que c'est toute la sous-préfecture qui tient donc part à cette cérémonie qui nous rassemble tous. Et comme ça, pour ajouter ma part donc à cette manifestation qui est en train de se tenir aujourd'hui, je fais donc d'un ballon à chaque équipe participante, c'est-à-dire du ballon. Bravo ! Et en plus de ça, j'offre
J'offre une enveloppe de 20 000 francs à chaque équipe pour participer à leur développement, à leur transport. Bravo! Applaudissez! Les bangos! Les bangos! Les bangos! Les bangos! Voilà. 100 poros! 100 poros! 100 poros! Soro bango! Soro bango! Kiangi! Kiangi! Zagala! Voilà, Zagala! 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 Kiangi! Kiangi! Debango! Debango! Sankoro! Sankoro! Voilà, voilà! Et Pelodi, c'est ça? Pelodi! Voilà! Et là aussi, le coup d'avant! Apprenez! Je vous remercie! Le micro chef! Voilà, chef, vous allez nous excuser! On aurait dû vous donner la parole à l'heure! On peut vous dire de plus en plus! On va pas prendre la parole au chef! Je suis président de Sorobango. Je suis le représentant de l'Honorable Frank Osupolem. Monsieur Yakoyo Michel, initiateur du parrain du Kola, l'Honorable Ahmed Ouattara, cadre de Sorobango et président du club Guerilla Sport de Sorobango, monsieur Kadassi, c'est qui est présent, monsieur Kaïssouf Ouattara, président de la mutuelle de la Fala. Mesdames et messieurs les invités, brave population de Sankoro, je prends la parole au nom de Sa Majesté Tolère Kwasi Yaoundra pour souhaiter la fraternelle bienvenue à tous et à toutes. L'événement que nous réunit ici est capital à plus d'un titre. D'abord, le sport, il faut le relever, est un puissant facteur de rapprochement des peuples et de cohésion sociale. Mieux une activité générative de revenus. Pour mieux valoriser les talents de notre profil, M. Ya Kwadjo Michel a mis sur pied ce tournoi dénommé Tournoi Savanais 2017, qui a sa troisième édition. C'est le lieu de remercier le parrain, M. Ya Kwadjo Michel, pour ses inlassables efforts. Son souci, premier, c'est de gagner les populations et aussi, créer des talents dans notre structure. Il travaille sans soutien financier. Il est donc opportun de lui rendre un vibrant hommage et l'encourager à aller de l'avant. À l'attention des cadres et fils de la structure, je vous invite à aider à notre manifestation. Merci au représentant de l'honorable. Je lui voulu transmettrai finalement le remerciement. Merci au représentant du commandant. Merci à l'honorable monsieur Mohamed Ouattara pour sa présence. Merci à monsieur Yakoyo Michel. Lui femme aussi, je déclare ouvert le tournoi Salin 2017. Je vous remercie. Merci pour la clarté de ce discours. Merci pour les mots bien choisis. Mesdames et messieurs, nous pouvons dire tout simplement que c'est merveilleux. C'est beau. C'est la somme qu'on a pris pour recruter l'homme de Manchester United. Et effectivement, Neymar qui a coûté 222 millions. Juste pour dire que le chef, je serai son manager. Je vais manager le chef auprès de Paris Saint-Germain. Mesdames et messieurs, ça se passe à Sankoro avec monsieur le parrain Yago Kwadjo Michel, à Big Fils de la cité de Sankoro, Big Fils de Sankoro, Big Fils de l'Afrique. Il a les deux pieds dans la culture, il a les deux pieds dans la culture, il réside bien entendu en Europe, mais il a ses deux pieds en Afrique. Regardez ce qui va se passer, il faut immortaliser cet image. Mesdames et messieurs, l'occasion sur un héros est donc arrivée. Nous sommes en train de vivre en Guinée la possession de charge. C'est une balle qui ne décore. Monsieur le premier chef, c'est le chef. Pardon. On a touché le chef. Merci. Merci à notre chef. Merci à notre chef. Les habits, que tout le monde venez. La fête du salon, c'est déjà ouvert.
Je suis de cœur et avec vous, mesdames et messieurs, ça se passe à Samporo. La troisième édition du tournoi Sawalais, la troisième édition qui se veut une édition pour Nantes. Mesdames et messieurs, c'est avec votre parrain. Merci. Mon fils bien-aimé, celui qui a les deux pieds de la culture, il a décidé d'apporter sa contribution au développement de la région. Merci. Nous sommes très reconnaissants. Nous êtes très reconnaissants. Merveilleux. Mesdames et messieurs, c'est tout simplement fabuleux. Mesdames et messieurs, c'est l'Afrique qui gagne. C'est Samporo qui gagne. C'est des Bango qui gagne. C'est la tour préfecture de Samporo Bango qui gagne. Nous disons merci également à tous et à toutes. Merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Nous allons saluer M. Jacques Steve de Radio Côte d'Ivoire. Saluer, saluer, viens et DJ. Saluer, saluer, Rudish de Sorobongo. Saluer également, Mama. Et déjà, il faut dire que la bataille est rude. On va repartir avec l'équipe de Samporo qui va donc tenter. C'est une bonne balle. Ah oui, au premier but de ce qui se passe, le porteur du 108 semble être un bon. Mesdames et messieurs, nous allons revenir très rapidement avec à une position. La nomenclature des différentes équipes, je vais commencer par l'équipe de Samporo qui reçoit. Le gardien de but s'appelle Salif, le 11 Lass, le 9 Seyssouf Konaté, le 5 Sebekam, Abou Ozil porte le 2, le 5 Maloko. J'espère qu'il ne va pas dormir sur ce terrain, Maloko, ça me rappelle bien quelque chose. Et 8 à vos étiens. Mesdames et messieurs, nous allons repartir avec cette balle. Quelle poitrine, c'est bien joué de la part du porteur du retour. Et ça, c'est mesdames et messieurs, nous allons revenir très rapidement pour lui. C'est le numéro 9 qui va contrôler le ballon. Pas pour longtemps, attention, c'est un pied. Il est costaud ce garçon. Quel courage. Et oui, on va revenir, c'est le défenseur de l'équipe de Samporo qui ne pourra pas contrôler. On prise avec, j'allais dire, le capitaine de Zagala. On va tenter de trouver le porteur du 207. Il est dominé dans les airs, passé petit. Ah oui, mais qui dit dans les airs. Tous ceux qui nous suivent et qui viennent de nous prendre un match, retenez tout simplement que nous sommes dans la troisième édition de la Super Facile. Qui pense au développement. Qui pense à notre avenir. Parce que le directeur, malheureusement, c'est le défenseur central de Samporo qui va par du côté. Du côté, ah oui, on va dire que ça va exploser. On peut le dire ici. Mesdames et messieurs, nous allons revenir avec toujours Samporo dans le camp adverse. Samporo, le numéro 10 qui a décidé d'aller tout seul. Il a la possibilité de on va revenir très rapidement avec l'équipe de Zagala. Zagala, le porteur du retard 15, la vie va le séjour. On va revenir très rapidement. Il est stoppé. Mesdames et messieurs, on s'est dit déjà, on prenait la première note, que c'était un grand match, c'était un match qui va réunir tous les défis, c'était un match d'anthologie, c'était un derby tout simplement. On va donc repasser avec le gros frère. Salut. Voilà, merci à toi, Boucher. On assiste vraiment à un jeu un peu de cousu. Je vois de part et d'autre chaque équipe est partie pour l'équipe de Samporo. Touche mal effectué donc, qui revient donc au bénéfice de l'équipe de Zagala. La touche, le dégagement est parti. La défense de Samporo qui se dégage. Le numéro 10 de Samporo qui essaie de maîtriser un peu le ballon. Il essaie de contrôler. Il va donc donner à son numéro 2. Samporo essaie de déposer le ballon pour faire baiser pied. Attention, coup franc donc signalé par monsieur l'arbitre. Remarque, coup franc en faveur de Samporo. Il faut dire que ce qui veut dire qu'un jour un fils de Samporo peut aussi bénéficier de ce genre de contrat. Coup franc qui va donc partir. Le coup franc sera exécuté. Ça c'est Tonton Kwadjo, hein. On a fait un show à Dranjo là-bas. C'est ce que l'on appelle Sawala. Généralement, ça parle donc de la chef. Et le chasseur, quand il veut commencer sa chasse, a un rituel qu'il essaie de faire avant de commencer. Et c'est dans ce sens que nous comprenons le mot Sawala. S'il y a quelqu'un qui a plus d'informations à nous donner, la défense. Le ballon est récupéré par Zagala. Pas pour longtemps. Samporo qui essaie de mener une contre-attaque. Il met sur le côté le dégagement donc de la défense.
On se bat comme un peu. On essaie de poser, de poser le cuivre. Et Sampere est toujours au contrôle. Pas pour longtemps. Zerala qui récupère le ballon. Le milieu du terrain, là. Quel contrôle manqué. Le 9. C'est un jeu, non? La manière dont les jeunes gens essaient de manipuler le ballon, ce qui veut dire qu'ils ont envie de faire de bonnes choses. Et nous, on attend. Allez, quoi, bonjour, bonjour, bonjour. Ça va un peu? Oui, ça va. Ah, voilà. C'est un peu. Merci, nous allons revenir, mesdames et messieurs, au stade de Sampere, le mythique terrain, le mythique stade, le Liban qui a fait faire manche, heureusement que le côté de l'équipe de Zagala était là. Lui, il se croit dans la chambre en train de dormir, le porteur de l'Ossadin, il ne pourra pas contrôler le ballon, ça c'est bon. Lui, il va chercher un partenaire, il va tenter d'aller tout seul, il a retrouvé le numéro 2, le numéro 2 de Zagala. Allez, parti! C'est passé également à Debango. Cette année-là, Debango a participé. Zagala également. Sampere. Tandis avec deux équipes. Sur le Bango, une équipe. C'est-à-dire six équipes au total. Et le vainqueur, c'était ce jour-là. L'équipe est sur le Bango. La 13e édition. Et encore, c'est Zagala. Mesdames et messieurs, c'est ce qui se fait. Ah, quel contrôle. Quel contrôle. Nous allons revenir avec le porteur du numéro 2. Le vendeur ne pourra pas contrôler. On est revenu avec le numéro 8 qui va tenter de chercher un partenaire. Pas pour longtemps, puisque le capitaine de l'équipe Zagala va contrôler son ballon. Il cherche un partenaire. Il a trouvé un partenaire. Le dernier va donc tenter. À manquer ce qu'il a voulu faire, ses garçons. Il va m'expliquer ça à la mi-temps. Pas pour longtemps. Mesdames et messieurs, il faut que ouais, c'est propre. Mesdames et messieurs, ouais, c'est propre, c'est propre. Organiser un tournoi, le talent a un grand cœur. Il a le cœur dans la main. Il a le cœur dans la main. Il se situe de cette situation. Il faut te lever. Ils ont cassé tes pieds. Qui a fait ça? Ouais chef, vous êtes où là? Oui, nous sommes le Kendi Balogo. Kendi Balogo. Oui, oui, Sampere va gagner. Sampere va gagner. Oui, oui. Combien? 2-1. Vas-y. Tu supportes quelle équipe, tonton? Là, tu supportes où? Zagala. Ah bon, Zagala n'a qu'à gagner combien? 3-0. Combien? 3-0. Eh, ça a chauffé. C'est le meilleur. Le vieux, le vieux, où? Toi, tu supportes où, le vieux? C'est le meilleur. Zagala. Zagala n'a qu'à gagner combien? 2-0. Eh! C'est qui veut parler encore? Ouais, toi, tu. Zagala n'a qu'à gagner combien? 2-0. 2-0. Ouais. T'es pas aussi? Moi, je suis pas déjà. Ah, d'accord.
Ah, c'est vrai aussi. Toi, tu supportes quelle équipe? Moi, ça. Tu supportes où? C'est Salé, non? Les Zagalas. Salé. Salé, ouais, ouais. Et moi, mais ici, équipe des Zagalas. Ah. Donc, toi, tu veux que qui n'a pas gagné? Zagalas. Combien? Toujours. Combien? 12 à 0. 2 à 0. Ah bon, d'accord. 2 à 0. Y a pas de problème. Y a pas de problème. 2 à 0. 2 à 0, c'est propre, non? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça c'est groupe. Ça c'est groupe de Tambi. Oui. Bon, attends. Tu dis quoi? Tu supportes quelle équipe? C'est Zagala. Zagala n'a qu'à gagner combien? 3-0. Ouais. Ça vous va? Vous vous supportez quelle équipe? Zagala. Zagala n'a qu'à gagner combien? 1-0. 1-0. Ouais. Ah. Ouais. Gossier, je t'avais dit que ces jeunes gens ont du talent et ce qu'on vient de voir tout à l'heure, il en a fait de trop. Et tu ne joues pas seul, cher ami. Tu as des coéquipiers, il faut déposer le ballon, il faut essayer de composer, d'avancer. Voilà, il a décidé tout simplement de donner du plaisir au public. Qu'est-ce que vous allez faire? La seconde minute, vous allez faire quoi? Vous allez gagner? D'accord. Vous allez retirer les deux buts? Hein? Ça, c'est petit à faire. Ah, voilà. Donc, on vous encourage. Hein? On vous encourage, vous avez compris? Voilà. Ajoutez le chef du village de Sapporo. Messieurs les représentants des différentes délégations, chers frères et sœurs, je vous salue à cet instant solennel qui marque un tournant décisif dans l'organisation de notre tournoi de football de l'armée sahraouie. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la troisième édition du tournoi de football de l'armée sahraouie 2017. Excellences, messieurs les représentants de l'Europe Crapoulet, nous vous remercions vivement de votre présence et de votre implication personnelle. Nous vous adressons nos infinies gratitudes pour votre attachement au projet du parrain de sortir une sous-préfecture de sa liturgie. Organisation. Excellence, monsieur l'honorable Mohamed Ouattara, nous vous présentons nos excuses avant tout propos, car vous avez été invité 4 jours du début du tournoi. Mais cela n'a pas empêché votre adhésion totale à notre projet. Surtout à votre soutien à 100% pour les échéances futures.
Je crois que tout à l'heure on va revenir. Et maintenant, on va passer le vent des mains sur Yamanine. Merci, vous serez là. Merci à vous, Rudy. Le ballon et des enveloppes offertes aux participants. À leur majesté, d'Arlo Kofi, chef de village de Botango, et de Tonio Kwasi Yaoka, chef de village en Samporo, qui a accepté de nous recevoir ici pour la troisième édition de ce tournoi de football Savalé 2017. À ma voix, le comité d'organisation vous adresse nos infinies gratitudes. Honoré d'une humilité notoire et d'une adhésion totale, merci pour la... Merci pour la qualité des invités et surtout de l'accueil chaleureux, sans toutefois oublier le bœuf et le sac de riz offert aux parents. Merci maman pour tes conseils et surtout ta promptitude à nous prodiguer des conseils de persévérance à la perfection. Retiens maman que désormais Michel a pour maman la sous-préfecture de Sourubango. A vous le nom d'honneur, amis collaborateurs de Padio Michel. La structure est une homme tout de Paris, avec à sa tête M. Ludovic Procon, le parent officiel. Madame Malaria Bastien, M. Laurent Lapéade, M. Julien Corbière, Madame Eve Pereira, Madame Claudine Bréger, épouse de Padio Michel et enfant à Paris. M. Yankou à Paris, M. Rabat de l'Algérie, M. Bara de Sénégal. À monsieur le parrain Padio Michel, résident à Paris et fils de Dibango sous-préfecture de Sourubango. Lorsqu'en 2013, vous avez initié ce tournoi, beaucoup n'y croyaient pas. Mais grâce à vos efforts inlassables, à votre détermination à doter notre sous-préfecture d'un centre de formation les années à venir, est un signal fort de développement et de cohésion surtout. Merci Paris est venu passer les vacances dans nos situations est une forte preuve d'affection et d'attachement à ses ancêtres. A vous, population de Dibango, Tiendi, Kamele, Pelori, Samporo, Sourubango et Zalala. Si vous rejoignez à nous, c'est parce que vous adhérez pleinement à nos idéaux. A cet effet, nous vous disons merci, les garçons de Coco, tout en vous invitant à cultiver les valeurs de paix, de fraternité, de tolérance et de cohésion sociale, pour qu'ensemble, l'émergence que nous prenons tous, la nouvelle Côte d'Ivoire soit une réalité. À vous, jeunesse de Samporo, je vous invite à la vigilance, au pardon et surtout à l'hospitalité pour le succès de cet événement. Merci infiniment. Merci. Merci pour ce message fou. Je suis le Seigneur Grand Dieu, je suis le Kenny Walogo, je suis le représentant de l'honorable Kwasi Kofi Kraporin. Merci, cher frère Michel, d'avoir l'idée de réaliser ce tournoi. C'est en l'honneur de nos cadres de la région, la sous-préfecture de Sourubango et de Tagadi. Par la voix de l'honorable Porin, je tiens à vous féliciter et vous remercier. Et continuez. Vous avez tout notre soutien. Vous avez tout mon soutien. La population, les populations de la sous-préfecture de Tagadi et de Sourubango vous soutiennent. Aux vaillantes populations de Samporo, je vous dis merci de nous avoir accueillis avec cette chaleur inoubliable. Ce sera gravé dans les archives de Samporo. Je ne vais pas vous poser la parole, comme les jeux se déroulent, je vous dis merci. Que les jeux se déroulent dans de bonnes conditions et que le meilleur gagne et que le parrain, l'initiateur de ce tournoi, soit honoré au centime. Merci beaucoup, chère population de Samporo. Merci. Merci. Un discours bref, concis et précis. Le parrain sera honoré. Le parrain sera béni parce qu'il pose des actions de bonne générosité. Il pose des actions qui vont dans le sens, et oui, mesdames et messieurs, de ce que nous, Africains, nous voulons. Il est en Europe, certes, mais il a les deux pieds dans la culture africaine. Et oui, toute parole est parole, et toute parole est belle. Merci, monsieur le parrain. Nous allons revenir, mesdames et messieurs, pour dire que la parole libérée, c'est Samporo.
14 et que donc on est joué. On va revenir, c'est bien joué, mais pas pour longtemps. On va se dégager. Attention, c'est monsieur Castor, c'est monsieur. Vagala n'existe plus. Vagala n'existe plus. Presque plus. Le ballon, le point de l'eau de partout. Et bientôt, ce serait totalement. Ah oui, j'allais dire. On va se retrouver. Les Catalina, parce que malheureusement, je voudrais saluer ce grand monsieur, et c'est mon ami personnel, le vice-président de l'équipe. Salut Vagala, Vagala avec son Nipika 10, pas pour longtemps, le numéro 2 de Samporo, à le contrôle du ballon. Il va tenter de trouver partenaire. On va lever ce ballon en direction du porteur du 112. C'est bien pris. Vagala s'amuse. Si le Samporo s'amuse, Vagala souffre. Vagala souffre. Vagala ne voit plus rien. Ah, quel sadou! Qu'est-ce que j'ai mangé ce soir? Ce joueur de Samporo, inspiré, inspiré, déterminé. Efficacité, ils sont tactiques, ils sont techniques, ils sont physiques, ils sont... Quelles sont vos impressions? Oui, mes impressions sont des impressions de joie, oui. De satisfaction, oui. Et puis surtout d'encouragement. Oui. Encouragement pour notre neveu, pour notre frère Michel. Oui. Vous voyez, il est en train de mettre ensemble, oui. Tous ces villages de la circonscription. C'est ça. On parle de 8 villages, mais en fait c'est tous les villages qui se réunissent. Alors, en tant que fils de Sorobabo d'abord, oui.
je tiens à lui dire merci. Et puis surtout à le rassurer qu'il n'est pas seul. Il a eu l'initiative. Il y a 5 ans, je n'étais pas là. Nous prenons son initiative en cours et nous rassurons que de toutes les façons, qu'il sache qu'il y a des gens comme nous derrière lui. Et nous allons pousser ce projet-là très loin afin que cette circonscription de Surubango puisse sortir vraiment de sa léthargie et de son sous-développement. Merci. D'accord. Alors, je vais répondre pour la radio nationale. Aujourd'hui, nous sommes à la journée de la jeunesse. Vous venez de participer au lancement de ce tournoi à Sawalin. Alors, quel message vous avez à l'endroit de cette jeunesse? Merci bien, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la jeunesse. Comme si on le savait, il n'y a pas de hasard. Alors, le football, c'est dans ce sens-là qu'il est fédérateur. Vous voyez, ce sont des villages qui ne se connaissent pratiquement pas, mais par la magie du football, non seulement les jeunes se retrouvent, mais ce sont toutes les générations qui se retrouvent. Les vieux, les femmes, les enfants, les plus vieux, les moins vieux, en fait, c'est la magie du football. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas dire mieux que cela. C'est la jeunesse que nous voyons et c'est pour cela que nous disons que la jeunesse tient le développement. La jeunesse est vraiment le cœur du développement dans une localité, même dans des villages. Alors on parle d'immigration aujourd'hui, c'est le thème principal des jeunes. Oui, on parle de migration, on va même plus loin au-delà de nos frontières. Regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe à Lampedusa, c'est grave. Nous avons des actions comme ça qui peuvent maintenir les jeunes chez eux. Il n'y a pas forcément le bonheur au-delà de nos frontières, on peut le trouver du bonheur en Haïti. Et c'est une preuve palpable que nos jeunes restent ici et qu'ils trouvent de la joie aussi ici. Il y a de l'électricité maintenant à Samporo, il y a de l'électricité dans la sous-préfecture de Surubango. Donc il n'y a pas de raison d'aller ailleurs pour regarder la télévision ou même pour écouter les matchs. On les a ici. Merci. Merci. Zagala, Zagala l'a mené sur le score et sans présente camarade Youssouf, voilà, joueur de FC Samporo. Voilà, belles impressions pour ce match d'ouverture. En tout cas, bon, ça a été une grande satisfaction pour moi. Et j'ai dit merci à Dieu d'avoir en tout cas veillé sur nous parce que ça fait 3 mois qu'on a préparé ce petit tournoi. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis très satisfait de tout le staff, compris le coach. Coach en question qui est là et j'aimerais dire aussi merci aux supporters et merci aussi aux parrains, que Dieu lui donne le bon. Oui, comment vous souhaitez aborder les prochaines séances, les prochaines rencontres? Bon, les prochaines rencontres, nous pensons les aborder avec une très grande motivation, voilà, et avec aussi de l'engagement, il faut dire, voilà, parce que bon, c'est un tournoi, ce genre de tournoi, c'est pas facile à jouer. Rester concentré du début jusqu'à la fin et Dieu fera le reste. Ok, merci beaucoup. Alors pour vous, aujourd'hui c'est la jeunesse, c'est la journée de la jeunesse. On parle du thème de l'immigration. Alors vous venez d'être victorieux. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres jeunes à travers cette journée que vous célébrez aujourd'hui? Bon, j'aimerais dire à ces jeunes-là que, bon, en tout cas, comme on le dit souvent, on est mieux chez soi. Voilà. Quel qu'on soit là où tu viens, même si souvent tu trouves que l'environnement n'est pas aussi stable, là où tu es né, il faut rester du début jusqu'à la fin, parce que c'est là que Dieu t'a placé, il sait pourquoi il t'a placé. C'est pas la peine de chercher d'aller se faire peut-être voir, ou soit se faire appeler dans les autres continents. Voilà, et je vois toujours des cas comme ça à la télé, vraiment c'est choquant. Alors que chez nos pays, on a tout pour réussir, hein, pour s'enrichir. Si la jeunesse, ça donne au travail. Voilà. On a plein
merci. Vous voulez dire ton nom, pardon? Camarade de la D'accord, camarade. Vous voulez dire pourquoi vous êtes resté là et tout? Bon, vous dites. Et il passe par la mer, il y a les morts partout. Vous êtes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous vous débrouillez. Qu'est-ce que vous voulez lancer comme message aujourd'hui? Bon, écoutez cela, bon, nous avons. C'est pas. Bon, en fait, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. On va prendre soin des routes. C'est la dégradation des routes qui est en train de sortir. Voilà. Non, les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur dire de rester chez eux? On a des richesses chez nous. Pourquoi ils s'en vont chez les Blancs? Il y a des richesses, mais ils s'en vont, ils meurent dans la mer. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon cela. Mais nous allons leur dire d'éviter à travers des conseils. Comment les conseiller? D'abord, il faut leur demander leur avis. D'abord, ils vont s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent aller à l'extérieur. Mais qu'est-ce que toi, t'as, quel conseil toi tu leur donnes? Bon, d'abord moi, pour les éviter cela, il faut collaborer, il faut échanger avec les parents aussi. D'accord. Déjà avec les parents, qui l'a dit, merci beaucoup. D'accord, merci. Sur la jeunesse. Non, oui, sur la jeunesse aujourd'hui, tu vas à l'extérieur, et puis les gens meurent dans la mer. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, ça te demande dit dans la vie d'aujourd'hui là, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, à chacun se cherche. Si toi, tu n'as rien à faire, puis tu te balades sur à côté de la rivière, c'est que c'est ton problème. Voilà, nous, moi ici, un jeune du village, comme je sais qu'Abigail ne m'arrange pas, je suis au village, je me cultive. Donc, c'est ce que j'ai mon avis. Et qu'est-ce que toi tu l'as dit? Toi, tu l'as dit quoi? Moi, c'est ce que je dis là. C'est toi, tu sais que tu cherches. C'est à cause de ça que tu es parti à Abigail. Donc, moi, je n'ai rien à leur dire. Moi, mes conseils que j'ai donnés, si tu n'as rien à faire, vous venez au village et puis on va équiper ce truc. Ah, merci beaucoup. C'est tout. Je suis Kobina Marsulin, président du comité d'organisation de cette édition ici à Samporo. Voilà. Mes premières impressions sont des impressions de joie, de satisfaction. Parce que organiser un tel tournoi et puis voir l'engouement de la population, l'arrivée de la première autorité de notre sous-préfecture, représentants du sous-préfet, les députés, les représentants du député actuel de la sous-préfecture, les représentants de M. Krapoulin, l'honorable Mohamed Ouattara, tout l'engouement avec les journalistes de renom, de Radio Côte d'Ivoire, de Radio Locale, Radio Zanzan, franchement, nous sommes élus. Voilà, c'est une satisfaction pour nous, parce que cette première rencontre s'est bien déroulée, on n'a pas eu d'incident majeur, le maire l'a remporté. Le maire a été 100% sur le score de 3-0 face à l'équipe qui a remporté la première édition Zagala. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement, toutes les populations qui ont participé à cet événement et que vraiment le maire reste à venir. Voilà, je souhaite la victoire au meilleur parmi les 8. Merci à vous. Merci. Voilà, ça c'est l'image là, on peut bouger là. C'est bon? Voilà. Allô, 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 allô. C'est propre. Ok. Voilà, vous venez d'assister à l'ouverture du tournoi Sawalet 2017, la troisième édition. D'abord, quels sont vos sentiments? Les sentiments ils sont énormes. Joie totale, je suis tellement heureux. Alors là, l'ambiance elle était totale. Félicitations à Samporo pour sa victoire. Remerciements à toutes les femmes. La joie elle est totale. Les mots me manquent, mais la joie elle est totale. Je suis très 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 satisfait. Ça va attendre mon bateau. 90 minutes, vous avez constaté le jeu, la troisième édition de Sawalet, le lancement. Quelle a été vos réactions sur le terrain? En regardant tous ces jeunes, en regardant la tête de Samporo, en pensant à toutes les souffrances des femmes, j'ai eu la totale joie. Belle démonstration de football sur le terrain de Samporo. Satisfaction totale pour les deux villages. Le fair play, rien à dire. Tout était là, tout était sur place. Au niveau de l'animation, c'était superbe. Les animateurs étaient très, très, très superbes. Au niveau des spectateurs, c'était la meilleure. Et sincèrement, je voudrais en profiter de votre micro. Remercier le chef du village de Samporo. Remercier d'abord
toutes ces belles femmes, toutes les charmantes femmes de Sanporo. Elles ont joué le jeu avec moi, elles étaient fair play. Sans oublier les femmes de Zagala aussi présentes. Je voudrais en profiter et remercier mon sponsor officiel, We Love Toubana. Le We Love Toubana de Paris, dirigé par M. Ludovic Racon. Je voudrais en profiter et remercier tous mes amis de Paris. Je voudrais remercier ma chérie Claudie Breja. Je voudrais remercier tous mes enfants. Je voudrais remercier ma mère qui m'a mis au monde. Et surtout, sans oublier mon village, mon beau village des Bango. Sawale, ma maman, remercier Radio Côte d'Ivoire, remercier mon caméraman et chargé de communication Mousse, remercier le trio arbitrage, remercier la Croix-Rouge, remercier tout mon comité à la tête, monsieur Kobenan Kofi Masselin. L'émotion est énorme. L'émotion est énorme. Le tournoi ira jusqu'au 19, au samedi prochain. Alors, quels sont les conseils que vous avez à prodiguer à tous ces athlètes qui vont compétir sur les différents aires de jeu pendant ces différents jours? Vous savez, le mot phare de cette compétition, le mot phare de notre mini-coupe d'Afrique des villages de la sous-préfecture de Sorongo Tagadi, le seul mot magique, c'est la cohésion sociale. Tant qu'il n'y a pas la cohésion sociale, il n'y a pas la paix. Tant qu'il n'y a pas la cohésion sociale, il n'y a pas de développement. Et tant qu'il n'y a pas la cohésion sociale, on ne peut pas rêver. Vous savez, aujourd'hui, le football, il faut le rêver. Le rêve, il faut le nourrir. Quand tu nourris ton rêve, tu arrives au sommet des sommets. La preuve, nous avons commencé en 2013 avec 4 équipes. Personne ne nous faisait confiance. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes arrivés à 8 équipes et autour de 8 villages, quand on regarde l'ambiance, je suis vraiment satisfait. Et tout ce que je peux dire à tous ces jeunes, le respect des anciens, le respect de nos valeurs traditionnelles, le respect d'autrui, le respect sur le stade. Je suis fier d'eux. Je les tire chapeau. Ça n'a pas été facile. Et je pense qu'au fur et à mesure, je pense qu'ils vont comprendre. Je suis tellement fier d'eux. Et que ce bonheur-là, je le partage. Et la preuve, je pense que tout le monde l'a vu sur le terrain. J'ai dansé. Et à chaque fois que je danse, je pense à la souffrance de ces femmes. Je pense à la souffrance de ces enfants. Et surtout, j'ai l'œil braqué sur les maternités. Et à chaque fois que je danse, j'ai dit au Seigneur, fais le fort. Et j'ai dit aussi à mes ancêtres, allez-y, accompagnez. Et qu'ils viennent terminer leur maternité parce qu'elles ont besoin de ces femmes. Elles souffrent, elles sont malades, les enfants sont malades, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. J'ai mal au cœur, mais je ne baisserai pas les bras. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ces braves femmes elles soient heureuses. Merci beaucoup.